والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، mes chers frères et sœurs, pour ceux qui sont présents et présentes ici au jour d'aujourd'hui, et aussi pour ceux qui vont entendre cet enregistrement بإذن الله عز وجل par la suite, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 mois, peut-être dans des années, والله تعالى أعلم وأحكم. Nous disons أحبتي في الله عز وجل avec toute sincérité, نحبكم في الله عز وجل. On vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lidhalika ahibati fillahi azza wa jal. Le prix de l'amour en Allah azza wa jal, c'est le conseil. Le conseil fondé sur qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salaf al-umma. C'est pour ça que je conseille sans fausse modestie ma propre personne avant tout. Et j'essaye d'encourager ma propre personne avant tout. Ensuite, mes frères et sœurs que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sujet, ayyuhal ikhwat wal akhawat, d'aujourd'hui, touche pas simplement une dizaine, pas simplement une centaine, mais des milliers, des millions de personnes sur la surface de la terre parmi les musulmans et musulmanes, croyants et croyants. Ce n'est autre que quoi? La tristesse, l'affliction, les chagrins, les soucis, les angoisses. Na'am ahibati fillah, combien de personnes par semaine nous appellent et se mettent à pleurer et se mettent à désespérer? Encore ici, il n'y a pas plus tard que 2 jours, et voilà qu'une sœur se mettait à pleurer en disant « J'en peux plus, je veux abandonner cette religion », alors que « Fawarabbil Ka'ba », par le Seigneur de la Ka'ba, son problème et ses soucis et ses tristesses n'ont été dus que à cause de ce que ses mains ont provoqué. Lakin, Shaitan a joué avec elle, l'a fait noyer dans ce qu'on appelle al-huzn, al-hazan, dans les soucis, les chagrins, l'affliction, jusqu'à ce qu'elle a désespéré de la miséricorde d'Allah. Elle s'est mise à accuser, pas à sa propre personne, mais Allah, et en voulant abandonner cette noble religion, alors qu'elle a oublié que Shaitan joue avec elle, car Shaitan aime cela, et veut la faire désespérer, et veut la faire dévier du sentier d'Allah Azza wa Jal, pour qu'elle se noie ici-bas et dans le delà, wal-iyadu billah. Ahibati fillahi Azza wa Jal. Il faut savoir que plus la personne s'attriste, et plus la personne s'afflige, et plus la personne se renferme sur elle-même quand elle a des soucis, des problèmes, des tristesses, des angoisses, et fawarabbil Ka'ba, et ceci est connu par tous et toutes, et plus la personne va s'éloigner de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Elle priait, elle va commencer à arrêter de faire la prière en groupe. Elle la faisait en groupe, elle va la faire chez elle. Elle la faisait simplement chez elle, elle va peut-être abandonner la prière. Pourquoi? Elle va perdre quelque part ses forces. Sa foi va diminuer. Elle n'arrivera même peut-être plus à tenir debout. Elle va s'affliger et être triste. Elle ne cessera de se plaindre. Elle lisait le Coran, elle va abandonner le Coran. Elle apprenait la science, elle va abandonner la science. Elle assistait au cercle d'évocation et d'invocation de sciences religieuses, elle va les abandonner. Elle faisait ad-da'watu ilallahi azza wa jal. Elle appelait au sentier d'Allah azza wa jal avec sagesse et bonne exhortation. Et voilà qu'elle se met à arrêter ad-da'watu ilallahi azza wa jal. Elle donnait des aumônes fi sabilillah, walakin elle a désespéré. Et ici, elle s'est affaiblie. Et sa foi s'est affaiblie. Dû à quoi? À ce que aime al-shaytan. Ce que déteste al-rahman, ce n'est autre que quoi? Ce dont le prophète alayhi salatu wassalam cherchait protection contre cette chose-là. Na'am, le prophète cherchait protection contre cette chose-là, car ce n'est autre qu'une maladie, comme on le verra bi'idnillah azza wa jal par la suite. Ce n'est autre que quoi? L'affliction. C'est pour ça, ahibati fillahi azza wa jal, nous disons pour ne pas fléchir et ne pas abandonner les actes d'adoration et ne pas se renfermer sur soi-même et ne pas tomber dans quoi? Dans l'angoisse, dans les dépressions, jusqu'à ce que des gens sont tombés dans le suicide à cause de quoi? Fawarabbil Ka'ba, ça a commencé avec ça, al-hazan, avec l'affliction. Ce terme renferme tous ces mots-là, si tu veux, le chagrin, les soucis, les angoisses, le stress, etc. Il a akhiré. C'est pour ça nous disons ahibati fillah, n'oublie jamais ça, ya Abdallah, que le fait de t'affliger, c'est une chose aimée par Shaitan. Et les moyens qu'utilise Shaitan pour te faire tomber dans l'affliction, ils sont nombreux. Parmi ces moyens et parmi les preuves qui nous rappellent que c'est une chose aimée par Shaitan, écoute bien ce verset coranique. Allah le montre clairement dans le Coran al-Karim. Et il dit « Innama an-najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina
amanu, les conversations secrètes. Il n'y a pas que cela, mais c'est un exemple parmi les autres exemples d'œuvres qui sont parmi ou qui font partie des œuvres de Shaytan. Car à Shayatin, il y a les diables, ins wa djinn, humains et djinns. Et il donne un exemple à Allah, et il dit les conversations secrètes sont qu'une œuvre du diable. Mais pour quelle raison? Pour attrister ceux qui ont cru. Pour faire rentrer la tristesse dans le cœur de ceux qui ont cru. Parce que ça va faire mal aux croyants. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Quand il explique ce verset coranique, il dit que toute personne qui aime ou qui utilise des moyens pour attrister son frère ou sa sœur, eh ben, qu'il sache qu'il est comme Shaytan. Car Shaytan, il utilise des moyens pour attrister alladhina amanu, ceux qui ont cru. Si toi tu utilises des moyens et tu utilises des causes pour faire rentrer la tristesse chez ton frère ou ta sœur, sache que tu ressembles à Shaytan, la'anahullah, comme a dit l'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, wa ghayru min ahli al-ilm. Ahibati fillah, Allah il rappelle par contre dans le même verset coranique que cette œuvre de Shaytan et que ces actions de Shaytan ne peuvent te nuire que par la permission de qui? Ar-Rahman, le miséricordieux, Allah Azza wa Jal. Allah il dit dans le même verset coranique, mais il ne peut leur nuire sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite Allah il dit, wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mutawakkilun. Ou comme qala ici Allah Jalla wa Ala dit, et c'est en Allah que placent leur confiance les croyants, que placent leur confiance les croyants. C'est-à-dire qu'il te rappelle que même s'il y a des œuvres qui ont été mises en place, des complots pour t'attrister, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, cette tristesse, elle ne te touchera que si Allah veut, par la permission d'Allah Jalla wa Ala. Et il te rappelle, quelque part, place ta confiance en Allah. Parce que dans le même verset, Allah il te dit, c'est en Allah que placent leur confiance qui les croyants. Moi, toi, bi'idhnillahi azza wa jal. Na'am ahibati fillah. Shaytan, il veut que tu pleures. Shaytan, il veut que tu désespères. Shaytan, il veut que tu t'affliges. Shaytan, il veut que tu baisses les bras. Shaytan, il veut que tu t'affaiblisses. Shaytan, il veut que tu te noies et que tu glisses. Comme beaucoup de musulmans et musulmanes, illa man rahim Allah, et j'exhorte sans fausse modestie ma propre personne, le premier, tombe dedans. Et ça nous est tous arrivé, je pense. Et moi, le premier, de baisser les bras et de s'affliger. Et au lieu de se tenir fermement à la religion et remonter la pente et aller de l'avant et espérer qu'Allah Azza wa Jal t'aide et demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, non, Shaytan il t'attriste. Et voilà que tout devient obscur autour de toi. Et voilà que la terre commence à se serrer quelque part autour de toi. Tu deviens comme dans un endroit très étroit. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu vois tout noir. Tu ne vois pas ici l'éclaircie arriver. Voilà qu'il y a ibad Allah. Ça, c'est une œuvre de Shaytan. Et l'affliction, c'est une chose mauvaise et interdite. Bien sûr que ici, ça peut arriver à tout le monde de s'attrister. Mais jusqu'à quel degré? Et comment tu t'attristes? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut que tu remontes la pente le plus rapidement possible. Que tu ne te noies pas dans l'affliction, dans les soucis, dans les tristesses. Et que tu te dises que c'est une œuvre de Shaytan. Et que si tu restes dans cette affliction et ces soucis et ces tristesses, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Parce que tu as laissé Shaytan te guider, wal'iyadu billah. Et ici, tu dois faire des efforts. Tu ne dois pas attendre qu'Allah Azza wa Jal fasse ici tout, sans que toi, tu ne prouves à Allah Azza wa Jal que tu fais des efforts. Allah, il a le temps et il veut de toi des efforts. Comme Allah le dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Il parle de ceux qui luttent pour notre cause. C'est-à-dire, comme a dit جمهور المفسرين أحبتي في الله عز وجل, la majeure partie des exégètes, ce sont ceux qui luttent pour la cause d'Allah, c'est-à-dire qui luttent contre leur âme instigatrice au mal. Ton âme, elle t'appelle à commettre des péchés. Shaitan t'appelle à commettre des péchés. Toi, tu luttes, tu combats. Ceux-là, ensuite, Allah, Jalla wa'ala, les guidera. Ah, on les guidera dans nos sentiers. Ça, c'est Allah qui le dit. Et il te rappelle, fais des efforts. Lutte, baisse pas les bras. Et c'est une chose détestée par Allah. La preuve de cela, Allah a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Allah, il parle au prophète. Parce que le prophète a eu mal. Le prophète a entendu des paroles qui lui ont fait mal. Le prophète avait beaucoup d'ennemis. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est attristé. Ça nous rappelle que le prophète, alayhi salatu wassalam, Bachar, c'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. C'est notre bien-aimé. Et on doit l'aimer plus que notre personne, nos parents, nos enfants, nos biens, toutes choses.
Lakin, avant lui, on aime Allah et on n'adore qu'Allah. Et le prophète, on ne l'adore pas, mais on l'aime. Et la preuve qu'on l'aime vraiment, ce n'est pas en disant « Je t'aime, ya Rasulallah », mais c'est de suivre ses commandements. Comme il se doit, avec une compréhension saine, ahibbati fillahi azza wa jal, et sans rouleau, sans exagération. Allah a dit au prophète « Wa la tahzan alayhim » « Ne t'afflige pas pour eux »« Wa la tahzan alayhim » »« Ne t'afflige pas pour eux » وَلَا تَكُفِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ Et ne t'angoisse pas ici pour ce qu'ils complotent contre toi. Et il rappelle au prophète alayhi salatu wassalam, voilà comment tu dois réagir. Et c'est comme si Allah azza wa jal dit, ne t'inquiète pas parce que tu fais partie de ces personnes-là. Et Allah il dit, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَمَعَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Allah azza wa jal, il est avec ceux qui le craignent avec piété. Et avec les bienfaisants. Et certes, le prophète alayhi salatu wassalam a craint Allah jalla wa ala avec piété. Et certes, le prophète alayhi salatu wassalam a fait partie des bienfaisants. Allah, c'est comme s'il disait au prophète, tu n'as pas à t'attrister parce que tu me crains pieusement et parce que tu fais partie des bienfaisants. Et Allah azza wa jalla nous rappelle que celui qui craint Allah pieusement et qui fait partie des bienfaisants, il n'y a ni peur et ni affliction pour cette personne-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même l'a dit dans une situation plus que difficile à Abu Bakr radiallahu anhu arda quand ils étaient dans la grotte. Et Allah l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Quand Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, il suffit que d'un d'eux, il baisse la tête alors qu'ils étaient cachés dans la grotte et voilà qu'il va nous voir, c'était les ennemis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Ya Abu Bakr, ô Abu Bakr, que dis-tu de deux dont le troisième est Allah, la tahzan. Inna Allaha ma'ana. Et ça, c'est la preuve qu'il avait confiance en Allah. Il dit, que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? Ne t'afflige pas, ne t'attriste pas. Certes, Allah jalla wa ala est avec nous. Na'am ahibbati fillahi azza wa jal. La tristesse et l'affliction, c'est une chose mauvaise dans l'islam. Ça affaiblit la personne. Relève la tête, va de l'avant. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Et patiente, endure. Et certes, ton endurance ne peut venir et ne peut avoir lieu qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Parmi les moyens et les remèdes, parce qu'on a besoin de remèdes maintenant, pour nous éviter de tomber dans al-huzn, al-hazan, al-gham, al-karb, al-ham, toutes ces choses-là qui sont mauvaises, ahibbati fillah. On a besoin de moyens, ça ne suffit pas de dire, ici c'est une chose mauvaise, on a besoin de moyens. Parmi les moyens, il y a ce qu'on appelle as-sabr, la patience. Et pourquoi pas, ahibbati fillah, alors que nous sommes dans une demeure d'épreuve. Donc tout le monde est éprouvé. Il n'y a pas une personne sur la surface de la terre, musulmane ou non musulmane, qui n'est pas éprouvée. Certaines personnes nous diront, mais il y a des gens, ils sont heureux toute la journée, et il y a des gens, ils vivent heureux toute la journée. Ben, nous disons que ça fait partie des plus grandes épreuves. Le fait d'être dans le bien, ça fait partie des plus grandes épreuves. Parce que souvent, quand la personne est dans le bien, elle a tendance à oublier Allah. Donc c'est une épreuve. Allah te teste. Et Allah Azza wa Jalla dit, on va vous éprouver par le mal et le bien, à titre de tentation. Bi sharri wal khayr, par le mal et le bien. Donc tout le monde a été éprouvé. Bi ijma', à l'unanimité des gens, il y a des épreuves pour tout le monde. Donc tout le monde doit patienter et apprendre à patienter. Pour patienter, il faut de la motivation. Et pour la motivation, il faut rappeler qu'est-ce qu'Allah a dit et le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Bi'ikhtisar, de façon brève et résumée, je rappelle quelques ahadith bi'idnillah azza wa jal avant de passer dans les autres points. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi bi-sanadin hasan, le prophète alayhi abdalu salati wa skat taslim a dit, inna idham al-jaza' ma'a idham al-bala', la grandeur, avec une traduction du sens, la grandeur de la récompense est liée à la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire, plus tu auras une grande récompense, et plus tu veux une grande récompense, et plus il t'est demandé de patienter, plus la récompense est grande, et plus l'épreuve sera grande. Toi, tu veux le paradis, la meilleure des récompenses qui puisse exister, et parmi les bienfaits du paradis, plus que cela, le meilleur des bienfaits au paradis, voir Allah Jalla wa Ala, la face de ton Seigneur, le sublime Tabaraka wa Ta'ala, et si tu veux cela et tu ne veux pas d'épreuve, tu es obligé d'être éprouvé. On ne demande pas les épreuves. Walakin, quand l'épreuve vient, as-sabr wajib, amma ar-ridha mustahab, wasbir wa ma sabruka illa billah. Patienter, c'est obligatoire. Passer de degré en remerciant Allah, en agréant cette épreuve de façon verte et disant Alhamdulillah, je suis content de cette épreuve, ça c'est mustahab. Mais patienter sans se plaindre, ça c'est obligatoire. Et patiente. Et sache que tu ne pourras patienter qu'avec la permission, l'aide, le soutien d'Allah Jalla wa Ala. Patiente, ya Abdallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dans le même hadith de Tirmidhi bi sanadin hasan, il dit ensuite,
إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الله جل وعلا. نعم quand il aime un peuple, quand il aime des gens, s'il t'aime, il va t'éprouver. Donc si tu es éprouvé, c'est qu'Allah pense à toi, ya Abdallah, et ça, c'est une règle générale. C'est qu'Allah, il ne t'oublie pas si tu fais partie des croyants, des musulmans et des musulmanes. Ensuite, l'épreuve, elle peut être pour plusieurs raisons. Soit pour une expiation de péché, soit t'élever de degré. Et si tu es éprouvé, c'est parce que, en général, tu as des péchés. Billahi alaykoum. Qui d'entre nous n'a pas de péché? Tout le monde dira, je fais des péchés. Donc, si on est éprouvé, c'est que quelque part, à la base, on a provoqué ces épreuves. Amma, ça peut arriver que des personnes n'aient plus de péché et ils sont éprouvés, Allah veut les élever de degré. Ad-dalil, la preuve, Muhammad alayhi salatu wassalam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ses péchés passés et futurs ont été pardonnés. Avec cela, il était éprouvé comme personne n'a été éprouvé. Il a passé de degré. C'est-à-dire, non pour voir s'il était véridique ou menteur, non pour qu'il y ait une expiation de péché, mais plus que cela, au-delà de cela, c'est pour qu'Allah l'élève de degré. Et certes, le prophète aura le degré le plus haut du paradis, al-firdaus al-a'la. C'est le degré le plus haut du paradis. On implore Allah Azza wa Jal de nous réunir tous et toutes avec Muhammad alayhi salatu wassalam dans son plus haut degré du paradis, c'est-à-dire al-firdaus al-a'la. Et je dis ça car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih, quand vous demandez le paradis, demandez le degré le plus haut, al-firdaus. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Donc patiente, ya Abdallah. Et sache que tout le monde a des épreuves. Et sache que tout le monde doit patienter. Et sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, bien que le hadith, il est jugé faible. Walakin kama qala al-ulama, wa hatta al-muhaddithuna ahibati fillah, min haythu al-ma'na fa huwa qawi, inna al-nasra ma'a al-sabr, wa inna al-faraja ma'a al-karb, wa inna ma'a al-usri yusra. Le secours vient avec la patience. Wa inna al-faraja ma'a al-karb. La délivrance vient avec quoi? Avec les soucis, avec les épreuves. Et après ou auprès de la difficulté, il y a quoi? Il y a la facilité. Na'am ahibati fillah, c'est le premier conseil que j'ai à donner à moi-même, ainsi que mes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal. Parmi les conseils, pour ne pas tomber dans cette maladie grave qui détruit des gens et détruit leur religion et leur foi, wal'iyadu billah, il y a ce hadith rapporté par al-Bukhari wa Muslim fi sahihain, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je prends une partie du hadith, من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. C'est-à-dire, et ici il y a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens, et la plupart des hadiths ils sont tous authentiques, et ça faisant une règle, celui qui vient en aide à son frère, Allah viendra à son aide. C'est-à-dire qu'Allah il te dit, aide ton prochain, moi je t'aiderai par la cause de quoi? De cette action louable aimée par Allah Azza wa Jal. Vis avec égoïsme et après te plains pas si tu te retrouves tout seul, enfermé, encerclé par ton égoïsme, wal'iyadu billah. Et il y a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens, qui nous rappellent que quoi? Si tu veux qu'Allah t'aide, aide ton frère. Si tu veux qu'Allah te soutienne, soutiens ton frère et ta sœur. Si tu veux qu'Allah t'assiste, assiste ton frère et ta sœur. Si tu veux qu'Allah te secoure, secours ton frère et ta sœur. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te préserve, fais tout pour préserver ton frère et ta sœur. Wa hakadha. Quelque part, c'est du donnant-donnant. Et Allah Azza wa Jal, il veut qu'on s'entraide. Donc plus tu vas soutenir ton frère, et plus Allah Jalla wa Ala va te soutenir. Plus tu vas assister, aider ton prochain, et plus Allah Azza wa Jal va t'assister et va t'aider. Et plus tu seras une source de tristesse, une source de malheur pour ton frère, et plus tu récolteras des fruits amers, wal'iyadu billah, car tu ne ressembles à personne d'autre que qui? À Shaytan, car tu fais rentrer la tristesse chez ton frère et chez ta sœur. Donc attention, ya Abdallah, sois une aide, une assistance, et pas un poids et un fardeau pour ton frère et la communauté, les musulmans et les musulmanes. Ça, c'est un point essentiel. Troisièmement, ahibati fillahi azza wa jal, rapporté par l'imam Ahmad, bi sanadin hasan, et je prends une partie de ce hadith encore. Le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim rappelle que celui qui connaît, dans le sens, celui qui se souvient d'Allah jalla wa ala dans l'aisance, Allah jalla wa ala se souviendra de lui dans la difficulté, dans les problèmes. Si toi tu te rappelles d'Allah, si tu te souviens d'Allah, si tu te rapproches d'Allah quand tout va bien, c'est-à-dire tu n'as pas d'épreuves, je dis pas d'épreuves, d'épreuves mauvaises, parce que le bien c'est une épreuve, d'épreuves qui sont un malheur, quelque chose de mal à la base. Tu n'as pas d'épreuves, ça va bien, financièrement, au niveau de ta santé, au niveau de ton temps, au niveau de ta demeure, au niveau de tes relations avec les gens. Si quand ce moment-là, ce bienfait qui vient d'Allah Azza wa Jal, tu ne penses pas à Allah Azza wa Jal, et ben sache qu'Allah t'oubliera quand tu seras dans la détresse et dans les problèmes. Amma, que quand tout va bien,
Tu penses à Allah, tu donnes des aumônes, tu apprends ta religion, tu lis le Coran, tu fais du bien autour de toi, tu appelles à Allah Azza wa Jal, tu assistes et tu aides et tu soutiens les gens de bien et les gens autour de toi. À ce moment-là, quand tu vas te retrouver dans une situation où tu auras des problèmes, tu n'as pas oublié Allah. Allah Azza wa Jal n'est pas inéquitable, hacha lillah, et il n'est pas injuste. Allah, il se rappellera, il se souviendra de toi. C'est un investissement, ya Abdallah. Quand tu es dans le bien, investis pour adorer Allah Azza wa Jal et te rapprocher d'Allah Azza wa Jal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle, car Allah Azza wa Jal wa ma kana rabbuka nasiya, il oublie rien du tout. Par cette cause-là et tes bonnes actions dans le bien, il va t'aider quand tu seras dans les épreuves. Ça, c'est le troisième point essentiel. Quatrième point, ad-du'a, l'invocation. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il faisait cette du'a et il disait, Allahumma, et le hadith est rapporté par Muslim, inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal, wal-jubni wal-bukhl, wa ghalabati d-dayni wa qahri rijal. Et il y a une autre version. Ça, c'est la version de Muslim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il cherchait protection auprès d'Allah, azza wa jal. Et ça, c'est une invocation que vous devez de répéter le matin et le soir, et même dans la journée, et pas que quand tu as des problèmes. Et regardez tout ce qu'elle réunit, cette invocation. Ya Allah, je cherche protection auprès de toi contre al-ham wal-hazan, contre les soucis et l'affliction. Wal-ajzi wal-kasal, l'incapacité et la paresse. Wal-jubni wal-bukhl. Al-jubn, c'est la peur excessive ou la lâcheté. Wal-bukhl et l'avarice. Wa ghalabati d-dayni wa qahri rijal, c'est l'excès de dette et la domination des hommes. Celui qui fait cette invocation bi-idnillah azza wa jal fahuwa ala khayr, car la meilleure des créatures alayhi salatu wassalam la faisait, et s'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Et tu cherches protection auprès d'Allah pour qu'il t'assiste, car tu dois chercher obligatoirement de l'aide et de l'assistance et de la protection auprès d'Allah lors des épreuves. Auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu délaisses cette chose essentielle, alors que le prophète a dit ad-du'a huwa al-ibada, c'est l'adoration même, l'invocation, te plains pas. Tu te plains devant les gens pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, et tu pleures devant les gens, alors qu'Allah il veut et il aime te voir pleurer, comme a dit fil sahih, te voir pleurer et être en sanglots quand tu lui demandes. Il aime voir ça, Allah Azza wa Jal. Et il attend, et quand il t'éprouve, et il t'éprouve jusqu'à ce que tu sois dans cette situation dans beaucoup de cas. Tu sois dans ce sujoud, et tu pleures. Là, lâche-toi, il n'y a pas de problème. Mais à te lâcher devant les gens. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas haram, non. Lakin, avant tout, lâche-toi devant Allah, et confie-toi à Allah, et pleure en sanglots devant Allah, Azza wa Jal. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et si ton serviteur, et si mon serviteur t'interroge sur moi, il n'a pas dit au prophète, dis-leur que je, non, directement, mubasharatan, il répond à Allah, Azza wa Jal, il dit, inni qarib. Je suis proche. L'avant-dernier point, et ensuite je vous laisse, inshallah ta'ala, mais un point essentiel. La réponse, elle est dans le Coran al-Karim, dans les versets coraniques que je vous ai cités précédemment. Et ça, c'est un remède essentiel. Allah, quand il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, et ne t'afflige pas pour eux, wa la tahzan alayhim, wa la taku fi dayqi mimma yamkurun, ensuite il dit, inna allaha ma'a alladhina attaqaw. Allah est avec ceux qui le craignent pieusement. Ah, il rappelle, à partir de ce moment-là, n'aie pas peur, ne t'afflige pas. N'y a pas à s'affliger de toute façon. Car Allah, s'il est avec toi, ici, qui va te porter préjudice? Qui va te nuire? Qui va réussir à détruire? C'est pas l'extérieur, ton intérieur, ton cœur. Alors qu'Allah te préserve, il t'assiste et il t'aime et il est avec toi. Donc nous disons, ahibati fillah, concrétisez taqwa Allahi azza wa jal. Éloignez-vous au maximum des actes de désobéissance et accomplissez au maximum les actes d'obéissance. Plus tu vas adorer Allah azza wa jal et plus ton cœur va s'attendrir. Un machetan, il aime pas ça. C'est pour ça qu'il t'attriste. Et la première, ou le premier des impacts qui se passe, c'est quoi? C'est que tu commences à arrêter les actes d'adoration. Donc automatiquement, tu t'éloignes de taqwa Allah azza wa jal. Automatiquement, ta foi, elle baisse et ça y est, tu es une proie facile pour shaitan. Au contraire, quand tu commences à t'attrister, ici, remonte les manches, ya Abdallah, ya Amatallah, et multiplie les prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire, les aumônes, ad-da'wa, l'apprentissage de la science, la lecture de la science. Rapproche-toi au maximum d'Allah. C'est ce moment-là, ça va être dur. Voilà qui n'est les fruits, fawarabbil ka'ba, ils seront plus que sucrés, et ils auront une bonne saveur, bi'idni rabbil ardi wassama. Donc ici, taqwa Allah, et ensuite Allah il dit, et il est avec les bienfaisants. Al-ihsan, adore Allah comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, certes Allah azza wa jal te voit. Même quand tu es dans face au péché, personne te voit, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Sois bienfaisant, même envers les gens. Kama qala alayhi salatu wa kama qala jalla wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Sois bienfaisant comme Allah, il a été bienfaisant envers toi.
Donc sois bienfaisant autour de toi. Fais du bien. Et ça, c'est un moyen ici plus qu'efficace. Bi'idnillah azza wa jalla. Et le deuxième verset qu'on a cité concernant An-Najwa, innama an-Najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu. Ensuite, Allah jalla wa ala, il rappelle que shaytan, il ne peut rien sans la permission d'Allah azza wa jalla. Et il dit quoi? Et c'est en Allah que place leur confiance les croyants. Place ta confiance en Allah. Et dis-toi, Allah a dit, le prophète a dit, Wallah qu'Allah m'abandonnera pas, incha'Allah. Et ici, va de l'avant et dis-toi, je place ma confiance en Allah et je prends les causes et j'utilise les causes et je continue à avancer et tu verras que tu te sentiras mieux. C'est pas d'une seconde à l'autre, mais il faut des efforts. Et petit à petit, et de jour en jour, et de semaine en semaine, cette vie, comme Allah l'a dit dans le Coran al-Karim, on a créé l'être humain pour une vie de quoi? De lutte. C'est comme ça. On doit lutter. Mais attention de te perdre dans ta lutte, c'est-à-dire de fournir des efforts et ces efforts vont s'égarer, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. Il y a des gens qui vont faire des efforts et leurs œuvres ici vont s'égarer et ils vont s'égarer du bien, ils vont s'égarer du sentier d'Allah Azza wa Jalla alors qu'ils pensent faire le bien. Non, sois toujours sur la ligne. Qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salaf al-umma, avec une compréhension bien, saine, pure, complète et claire, bi'idhnillahi azza wa jal. Et quand tu ne sais pas, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. C'est Allah qui l'a dit. Allah, il ne dit pas les choses par hasard. Demandez aux gens du rappel de science si vous ne savez pas. Le dernier point, ahibati fillahi azza wa jal, une parole très connue. Certains disent qu'il est marfou' le athar, d'autres ils disent qu'il est faible. Min haythul ma'na la shakka annahu sahih. Du point de vue du sens, c'est clair que cette parole est bonne. Et cette parole, elle va dans ce sens et plusieurs savants la reprennent. Et ici, dans le fameux livre La Tahzan, qui est très connu, elle est reprise plusieurs fois aussi de cette parole qui vaut plus que de l'or. Quand tu aimes, aime jusqu'à un point. Et quand tu détestes, déteste jusqu'à un point. Par crainte de quoi? D'avoir du regret après. Parce que si tu aimes avec excès, à la fin peut-être, comme elle dit cette parole-là, cette personne que tu as aimée par excès devient ton ennemi et ensuite tu vas avoir du regret. Et quand tu vas te détester, si tu détestes avec excès, peut-être cet ennemi va devenir un ami et tu vas avoir des regrets. C'est-à-dire, tu vas regretter des comportements que tu as eu envers lui. Et peut-être des comportements qui ne peuvent pas se rattraper. Et peut-être que quand tu vas aimer une personne avec excès, quand tu vas le détester, même si tu le détestes en Allah, peut-être que tu vas avoir tellement mal et tu vas t'attrister parce que ici, tu vas regretter d'avoir fait le bien avec lui ou alors que lui, il y a eu des bonnes relations, etc. C'est pour ça que nous disons, ahibati fillah, al-wasatiya fi kulli shay. Le juste milieu dans toute chose. Alors laisse-moi deux. Moi je suis amoureux d'elle et je ne vois qu'elle et je veux me suicider, comme j'ai entendu il y a quelques jours. Ou alors une sœur qui dit, et encore il y a quelques jours, fawarabbil ka'ba, moi j'abandonne la religion parce que je ne voyais que lui et maintenant il m'a abandonné. Vous étiez dans le halal, au moins à la rigueur. Non, on était dans une relation illicite. Wal'iyadhu billah. Mais où va-t-on, ahibati fillah? L'excès al rouleau. Et le prophète alayhi salam a dit, malheur aux extrémistes, ceux qui rentrent dans l'extrême, ahibati fillah. Toujours une modération dans toute chose et tu verras que ton cœur restera apaisé bi'idhnillahi azza wa jalla. Et pour terminer, ahibati fillah, mes chers frères et sœurs, sachez que même si vous voyez le ciel qui est obscur et vous voyez tout sombre autour de vous et l'obscurité autour de vous, bi'idhnillahi azza wa jalla, viendra le moment où le ciel va s'éclaircir par la permission de qui? Ar-Rahman, le miséricordieux. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katheera. Warda Allahumma 'anil khulafa' ar-rashidin.